Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure pour regarder la vidéo. Hein. Je dis à pour une nouvelle vidéo, nous-mêmes, Info Total, nous avons présenté 5 joueurs qui ont une chance de jouer avec Diego Armando Maradona et Lionel Messi. Ou même quand vous regardez la vidéo, si vous pouvez vous abonner à Info Total, vous pouvez toujours faire ça. À l'aide des petites vidéos, vous pouvez monter à droite et quand vous pouvez tout, gens pour capable abonner à Info Total pour capable jouer une notification toute dernière vidéo que nous-mêmes avons publiée. Pas oublier Info Total, nous-mêmes, nous c'est Info en résumé. Yo réalisé rêve des millions de petits garçons. Jouer avec Lionel Messi et jouer avec Diego Armando Maradona. Seulement 5 joueurs de football jouent pour Villersa. Tous 5 joueurs ça c'est argentin. On a commencé avec le premier qui c'est Martin Palermo. Formé dans le club Estudiantes de la Plata dans le pays Argentine. Sous déclin après des palis dans Napoli, Maradona a entamé dernière saison comme professionnel avec le club Kélien qui c'est Boca Junior. C'est dans Boca Junior, Maradona a partagé même vestiaire avec Martin Palermo à l'époque qui était âgé de 24 ans seulement. International argentin depuis 1999, Palermo a côtoyé Lionel Messi durant l'éliminatoire et mondial 2010 là, avec crack argentin. Cristian González, passé par Rosario Central, Boca Junior, Real Saragosse, Valence, Inter de Milan, avec San Lorenzo, c'est le deuxième joueur sous 5 joueurs à présenter qui jouait avec ni Messi ni Maradona. C'est le mondial 1994, là, malgré contrôle positif pour dopage, qui était cause que Maradona pas de continuer la compétition. Hein. Cristian González était un. C'est un 93 argentin qui a participé durant le tournoi. Rappelé en sélection, en 2005, Cristian González a eu chance de jouer quelques matchs amicaux avec la sélection Albi Celeste. Jeune argentin à l'époque a fait intégrer la sélection. On a parlé de Lionel Messi. Au final, Cristian González n'a pas eu chance de jouer mondial là avec Messi, mais il a joué simplement match amical avant éliminatoire pour mondial ça. Juan Sebastian Verón, c'est troisième joueur qui jouait avec ni Messi ni Maradona. Formé dans le club Estudiantes de la Plata, Verón a commencé un début carrière difficile. Après deux saisons qu'il était passé dans le club formateur là, il était transféré dans Boca Junior. Dans l'année 1996, c'est durant le passage dans Boca Junior, il a eu une chance d'évoluer avec Maradona. Depuis 1996, Verón a commencé à jouer pour la sélection argentine. Absent dans la sélection pendant plusieurs années, Verón a été convoqué pour la Coupe América 2007 là, et Mondial 2010. Là. Durant deux compétitions, Verón a joué une chance d'évoluer avec Lionel Messi. Roberto Abbondanzieri. Formé à Rosario Central, Abbondanzieri n'a pas jamais imposé dans le club formateur. Là. Après 5 saisons passées dans Rosario Central, en 1997, Abbondanzieri a rejoint Boca Junior dans l'année Diego Maradona a fait fin carrière. En 2006, Abbondanzieri a joué une chance parmi 23 Argentins pour le mondial là, et parmi 23 eux, a gagné un certain Lionel Messi. Juan Román Riquelme. Après une année, il a passé dans le club formateur là, qui est Argentinos Junior. Riquelme a rejoint Boca Junior côté le côtoyé Maradona. Coupe du monde 2006 là, Coupe América 2007 là, Juan Riquelme avec tout Lionel Messi a fait partie sélection pays Argentine pour te disputer des compétitions ça. Nous sommes présentés aux 5 joueurs qui jouaient ni avec Diego Maradona ni avec Lionel Messi. N'a pas rappelé que 5 joueurs ça c'est Juan Sebastian Verón, Roberto Abbondanzieri, Juan Román Riquelme, Kili González.